Marion. Je suis sur le chantier depuis 3 ans en tant que géotechnicienne. Un tunnelier, c'est gros, oui. Les dimensions, en gros, c'est un diamètre de 9 mètres et une longueur de 100 mètres. Alors, le fonctionnement du tunnelier, c'est... Donc, il mange la terre à l'avancement et ensuite, il pose ses anneaux en béton. Il a des vérins qui s'appuient sur la tranche de tous ses anneaux pour lui permettre d'avancer et de pousser contre le terrain devant. Et du coup, il avance par passe de un anneau, par passe d'un mètre 80 ou un mètre 50 à chaque fois. Au total, ça fait une moyenne de 12 à 15 mètres par jour. Oui, alors la terre qui est excavée, on utilise une vis pour la ramener en haut d'un tapis. Ce tapis fait tout le long du tunnel. Il remonte ensuite au niveau de la station de départ, il remonte jusqu'en surface. Après, il amène les déblais jusqu'à des bacs de stockage.